Bon matin. Aujourd'hui, je vous amène avec moi. On vlog ensemble aujourd'hui. Je m'en vais en studio pour faire la pré-prod de l'album. Y a-tu des crottes d'œil là? Oh, tanné entier là. Oh là là, hein, on va laver les cheveux, Roxane. C'est gras tout ça. Ça a l'air un peu vide là, c'est que je suis dans mon nouvel appart, mais les meubles sont pas rentrés encore. Fait que j'ai dormi sur un matelas gonflable. Il est spécial ce matelas gonflable là parce qu'il est muni de trous, hein. Donc je me suis réveillée cette nuit par terre, littéralement. Voilà, mais c'est un petit déjeuner de champion pour avoir une bonne diarrhée là. Pas matinal, moi. Moi, me lever le matin, là, pis dire des coucous au monde, là. Ah! Oh! Maman! Non, donne-moi 12 heures. Donne-moi 12 heures, pis je vais être par là. Wouhou! Bon, j'ai perdu le contrôle du véhicule. C'est ce monde qui m'a vu. On s'en va en studs faire la pré-prod. On s'installe, on s'assied toute la gang de production avec mon agent, puis on regarde à peu près quelle chanson on va faire sur l'album. Je suis donc un rouge, c'est promettre, man, tu sais quoi? On va me parler dans le sud. Je suis rien qu'un peu tapissé. On va filmer ça, ces petites journées de production-là. Jeff vient de me préparer, j'attends le filmeur. Quand le filmeur arrive, on s'en va chez mon gérant. Tournez à droite sur rue Longtemps. Tournez à droite sur rue Longtemps, puis tournez à droite sur rue Saint-Laurent. Hey, elle va-tu parler de même tout le long? C'est-tu nos verriers pour vrai? Can I drink it? Yes. Mi, 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 mi. Et si, ouais, ça va être rochant. Faut que je parte plus aigu au plus gras sans que ça fasse de mi, 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 mi. Qu'est-ce que je vais faire? Anyway, mes chansons, c'est pas des chansons à moi. Bien, avec The Mist, parce que je l'avais fait la soirée d'avant, je dis, si j'arrive dans le studio, Rox, elle joue son affaire de guide, pis là, on n'est pas cinq. Pis là, je t'envoie ça, là, pauvre petit crack. Après ça. J'appelle pas ça craquer! Alors! Je capotais, j'ai broyé ma vie. Puis après ça, Matt, on est dans le chat, tous les deux, on mène un pétoi. Lui, il dit garde parce qu'il y avait un poil d'hommeur, drette dans les airs. Je dis, ouais, je pense qu'on est à la bonne place. Ah, t'sais. On est dessus. Moi, j'avais même plus de guide. Il y a un check-là parce que le bagage, je te jure. Le travail au niveau de la voix de Roxane sur celle-là, on a parlé hier au meeting. Est très intense dans une chanson, ben elle va le piquer un peu dans la voix, elle va chercher un peu trop haut. J'appelle un peu. Moi aussi, mais viens ici, ouais, okay. Encore plus près, jusqu'à ce que ça te le dire. Moi je disparais, je coule dans le ciment. Tu l'entends, le drum vintage là-dessus. Ça, j'entends ça, c'était tout. Ouais, ouais. On est dans le même corps, en désaccord. C'est fou de connaître ton nom. Que moi, ce qui me fait chier, je comprends l'intensité, mais je sais, moi, je suis pas une fille à voix, là, j'ai pas une voix tout cassée. Une coupe de la place, mais dans tout ça, je suis comme Chris Lanois, j'aurais pu appuyer plus c'est que ça. C'est ça, je te comprends en tant que chanteuse. Mais c'est ça que je pense, où il y a des places où. Mais tu sais, ça se fait-tu? Oui, oui. Ça se fait-tu que les bouts. Que... C'est ça, je t'ai pour te dire, ça va être bien dur. Parce que ton tone de voix arriver à la même affaire, t'es jamais. Une journée, t'es jamais pareil. La voix, c'est l'affaire la plus. Non, j'en peux plus. T'es peut-être que t'as fini, hein? T'as cassé tout ça après. Non, j'en ai pas fini la première fois. J'ai cassé à Sardon dans tout de ma peau. Ok, ok, ouais. Ça fait Sardon dans tout de ma. C'est sûr qu'il y a des. Il écoute, parce qu'on le sait. Nous c'est vrai que c'était intense. C'est vrai que t'es intense. Mais moi, j'étais pas là. Ouais, puis je l'entends. Tu l'entends, l'émotion, le trémolo? Ah, ça. Parce que. Ça fait un bout là, je l'entends cette tune là, j'entends toutes les versions que tu as faites. Ouais. Puis c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus avec celle-là au niveau de ton interprétation, de ta file. C'est tes impressions pour ta journée à part la température étrange? C'est vraiment le fun. C'est agréable. C'est la naissance d'une œuvre.